exauce les prières de ses enfants. Alléluia. Et ton âme, Jésus, ton âme. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, a dit le Seigneur Jésus, le Dieu des Torekavio. Et nous, Kaye, Magblanye, Dieu. Et qu'est-ce que je vais dire à la suite? Vous tous qui suivez, qui suivez toujours cette émission, j'aimerais vous souhaiter la réussite pour cette année. J'aimerais vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année. Et vous demander premièrement la présence de Dieu. Si Dieu est présent avec vous, vous aurez toujours, ou bien à coup sûr, la santé. Et si vous avez la santé, vous allez aussi avoir les richesses. Alors que Dieu, l'Éternel, soit présent à votre côté. Je présente mes meilleurs voeux à notre le premier responsable de cette nation. Que la grâce de Dieu soit sa portion. Toutes les bonnes pensées qu'il aura ou bien qui sont en lui, que l'Éternel l'aide à ce que ces pensées-là soient manifestes. Et que Dieu fasse à ce que de bonnes personnes soient tout autour de lui. Et que l'Éternel l'aide à ce qui s'abandonne à lui et que Dieu le dirige à faire ce qui est bon pour le peuple. Et bien, la simple, mais nous veut venir. Nous lui souhaitons la grâce et la santé. Pareil au Premier ministre. À tous les ministres également. Députés au Katan. À tous les députés. Directeurs généraux. Les directeurs généraux. Et tout ce que Dieu a levé en dignité dans cette nation. Maou. Que la présence de Dieu soit leur portion. Et que cette année leur soit une année de réussite. Et à tous les Togolais, que Dieu triomphe pour nous à tout domaine. Que Dieu nous donne la santé. Donne un peu de richesse. Tout ce dont nous avons besoin, le peu que dont nous avons besoin, qu'il nous le donne. Et je n'oublie pas les enfants de mon père, toute la diaspora qui nous écoute en ce moment. Vous souhaitez seulement que la présence de Dieu soit avec vous. Vous êtes sur la terre étrangère en ce moment. Ne croyez pas que Dieu est étranger à vous ou qu'il n'est pas avec vous. Oui, il est toujours avec vous. Et nos pensées se dirigent vers vous. Et nous vous souhaitons les meilleurs vœux de l'année. Et que l'Éternel vous visite aussi. Accrochez-vous seulement à lui. Vous aurez la santé. Vous aurez les richesses. Vous allez avoir les papiers. Vous serez en paix. Si réellement c'est Dieu qui m'a envoyé, je vous souhaite la paix de Dieu à vous à l'étranger. Et puis, que cette année soit une de joie pour vous. Que cette année soit une année de paix pour vous. Soit une année de joie pour vous. Au nom de Jésus. À tous les prisonniers. À tous les orphelins. Même aux veuves. Que Dieu se souviennent de vous. Et puis, avec Dieu, nous avons mis ici. Les meilleurs voeux de cette année nouvelle à vous tous. Même aux soldats. Que Dieu vous bénisse. Que l'année réussisse pour vous. J'ai un petit message. Et ce petit message. Et sera quelque chose que nous allons bien retenir, à quoi nous allons nous accrocher pour avoir la victoire. Dans cette année. Et puis, allez,
Mina va affronter nos sous-bocs. Et en cette année, bien sûr, nous allons affronter beaucoup de choses. Nous pouvons vous présenter nos meilleurs voeux comme il le faut. Mais il faut savoir qu'il y a toujours des défis dans l'année pour vous. Ne m'ouvre des siens, il y a des défis les femmes, des défis avec ta routine, mais il y a des défis. À tous les enfants de Dieu, les défis dans une année pour nous est que ces défis nous aident à pouvoir avancer. Les ennemis vont toujours se lever. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu pour que nous partions au ciel, nos ennemis ont toujours leurs œuvres à faire. Je le dis souvent, quand on parle d'ennemis ou bien d'adversaires, ce sont toutes situations, toutes personnes qui peuvent venir dans notre vie pour nous empêcher d'avoir la réussite. Voilà d'où a dit le Péyamé. Mais tu vas triompher d'eux. Voilà d'où a dit le Péyamé. Tu vas triompher d'eux en cette année. Voilà d'où a dit le Péyamé. Tu vas triompher d'eux en cette année. Néné Fouto doit vraiment ouvrir le plein maouba Medentivaï. Et c'est ainsi que les ennemis ont ligué une guerre contre les enfants de Dieu ou un homme. Ouais, ben, leur pensée est de les détruire tous. Si vous êtes fier de comme tu dis, nous c'est d'où on va y en y courir avec maladie, et puis y'a un comme de la même manière, il y a certaines puissances qui ont inscrit sur toi que tu n'achèves pas cette année ou bien tu n'auras même pas assez au sixième mois. Ils ont menti. Si tu as Dieu de ton côté, et tu seras établi, tu vas triompher de Jésus-Christ au nom de Jésus. Cet homme de Dieu, ces enfants de Dieu, nous connaissons bien sûr leur histoire dans deux chroniques. Et tabla V. Le chapitre 20. Mima, le pipi au patin, tignon patin, le me voit bien, le chupipi blavé, ce blavé voit ton co. Nous n'allons pas lire toute l'histoire, mais nous allons lire du verset 20 au 25e. Voilà. Deux chroniques, chapitre 20, le verset 20 à 25. Chronique pas balin Evelia tablave sok pou blave blave vo attend. Nous quelle jour les filles? Qu'est-ce qui se passe ici? O va titi trede Josaphat ple mo bodu kwanchi. Il y a des gens qui se sont levés contre Josaphat et le peuple de Dieu. Elle a beau nyabe somenyo le wasi. Car ils savent qu'ils ont un bon avenir. Elle avait yira do gaga sou wasi le peyame. Car ils auront encore certaines bénédictions dans l'année nouvelle. Ya ta nous so ha titi tre. Alors ces puissants se sont levés. Amon vio titi tre. Les enfants d'Amon se sont levés. Moalito titi tre. Les enfants de Moab se sont levés. Ah, o so ils sont tellement nombreux. Et là, beaucoup d'Israël est déjà. Quand ils ont vu que l'Israël triomphe toujours. Et là, beaucoup d'Israël est déjà encore. Quand ils voient que l'Israël va encore avancer. On me dit bah vers maintenant non. Ils ne veulent pas que ça s'accomplisse. Mais dis-moi tout non maintenant. Au tédoué des pépé. J'aimerais te dire qu'ils peuvent le planifier n'importe quoi. Nous que ma ouïe a doubé à on le fait mais là où non quoi. Ce que l'Éternel a planifié pour te faire cette année nouvelle. Nous comment au bout la force le fait moi la force de caraca quoi. Ce que l'Éternel a planifié que tu ramasses cette année tu vas les ramasser. Nous que ma ouïe a son doigt beau maintenant non tu fais pas mais le fait mais là son doigt beau mais quoi. Ce que Dieu a planifié mettre dans ta vie pour que tu la paix, tu l'auras cette année. Mais permets à ce que nous apprenions ces deux choses. Comme nous l'avons dit au début, n'oublie pas la première chose. Lorsqu'on est venu dire ceci, à Josaphat, comme tout humain, et ça l'a affecté. Et la Bible a dit que, dans sa frayeur, les peuples vont mourir. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Et yo de gbefa ntisi dona Juda katan. Do tout na se. Écoute très bien. Ne tobe na de. S'il na de be ava di ngono le fiyame. Quelque chose veut t'effrayer cette année. O java tian poe. Bien sûr vont venir. Ne na do va do agbogbo. Et il y a certaines choses qui se sont multipliées contre nous. Nous banto kike ke ma fi to fina wa. Et le premier secret que j'avais à te dire. Di Jehova. Cherche la face de Dieu. Ngbanglo be gbedo se a. Ne l'oublie jamais. Ma unya tutu gban le tore ka viopo na meia. Le voici le premier message dans la première rencontre. Ma ouwe ma tono. Ben, Dieu m'a envoyé pour te dire. Peu importe ce que tu vas. Tout ce que tu vas affronter. Et nous tu toi. La première chose. Trois de Yehova anti. Cherche la face de elle Dieu. Elle a non sous. Il va te donner la bonne elle manière nous de nous le faire. Il va te diriger. Elle a gardé mes clés. Il va intervenir. Ne nous si nous va dogo. Si toutes choses t'affrontent. Si ben que les dogo amadogo me dit avoir. Comme ça affronte certaines personnes. Après non bataka oré. Ne sois pas confus. Après ton bataka. Monsieur ne sois pas confus. Pasteur on va vous. Pasteur ne trempe pas.
Trop de Yehovah. Tourne-toi seulement à Dieu. Josaphat were ege aloduji. Lorsque Josaphat l'a fait, s'il a triomphé ou bien il a échoué. Eduji. Il a triomphé. Afode podo dele. Il y a certains pas. Tu dois aussi les mettre en pratique. Avant que beaucoup de choses ne se passent. Il est le Bible là, mais elle avait Bible là, il est blanc. Car c'est la Bible qui le dit. Mais il n'y a pas n'arrête pas la fille. Je ne pas inventer quoi que ce soit. Inventer quoi que ce soit. Ah oh. Non. Mais il y a pas de peuple. C'est pas tonton doigt qui va inventer quoi mais que ce soit. Mais il n'y a pas n'arrête pas. Inventer quoi que ce soit. Bible là, il est blanc. Bon, on dit mais nous on est là au pays, mais à bon moment pour nous là pour nous. C'est la Bible qui le dit. C'est ce que tu vas faire à ce que. Certaines portes qui ne s'ouvrent jamais vont s'ouvrir pour toi. Nous qu'on a tapé à Benyatia bah au dolé d'ignorer. Ce qui fait que ce passage me tient toujours à cœur et que. Yenye be kemi ko tapé bantoa. Lorsque nous avons vu la première partie. Obe kadikabe asui. On a dit au moment. Les beaux vont former. Dans sa frayeur. Et trop de mawuntia. Il s'est tourné à Dieu. Mais les pauvres ne le m'a dit inti nyabe diya. Nous avons vu qu'à la suite de l'histoire. Et vont vont les beaux nyawomo. Il n'y a plus de peur dans ses propos. Yo ça fait tout mal vont que. Et Josaphat n'a plus peur. Nous kaijo. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait Yehova. Car l'Éternel. Elike. L'a affermi. Et yo elike. L'Éternel l'a affermi. Il est comme fier. Est-ce que vous le comprenez? Voici ce que l'Éternel nous fait plus. Yenyebe. Et que non, va, va. Si le combat ou bien la guerre. Yenye va. Si les besoins viennent. Tchaka tchaka va. Si la confusion Yemi vient. Yemi et que nous nous tournons à lui. Elina kemi. Il nous a fermé. Dès que vous vont le mot sang. Et tel que tu as la frayeur en toi. Dès que midi fiamme quoi balé vont avoir dès qu'un temps bien noya, dès qu'un quantôt bien noya, et va ni atéri huanti, ni ahoyi huadi se, ni ahué. Et dès que on canne maudit quoi, dès que on lique quoi, d'assez dit que nous le venons fier tout notre jour en toi mola globe. Oh, c'est un tout jour mimi n'abre que mawa le sang de, mimi n'abre que nous en tolo. Vivia y lique, vivia ni arco yo na mau, vivia carré dire quoi pas na kopuno, il est quoi mauba si. Nous quand de Yehova dit à pas les bibles les bon la fille elle a pas toi elle lina kiamé nous kamola no vona ou ma no vona nous ce que des gens vont ce de quoi les gens auront peur dans cette année si tu viens nous nous tournons à Dieu comme la Bible nous le préconise nous allons Dieu va nous affermir c'est la plus grande chose bien la meilleure chose que Dieu nous fait souvent au moment où des gens diront que cette année comment sera l'année pour nous est-ce que nous allons réussir il y a ceci ou cela il va t'affermir elle a doté ah il va t'affermir elle a doté quand il est écrit elle a bon on dit confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermi ayez wa domité a renouté notre jour. Les tempêtes peuvent souffler. Ndekpekpete jo. Toutes choses peuvent se passer. Ma oulana a liké darisi. Mais Dieu fera que tu vas te fermer. Fifia le kelilia me am kosu. Dans l'affermissement, ce n'est pas encore fini. Ah oh. Non. Eya ma mede ba fonu fona. Il faut que quelqu'un te parle. Eya ma mede ba kpolo. Il faut que quelqu'un te dirige. Bata mono. Il faut que quelqu'un te donne des instructions. Voix amwa odola redisse. Mais cette personne là, tu dois courir en lui. Amke dio khosia yebenya dio sona yebenya yo sona ti ronana. Celui en quoi on croit. On accorde de l'importance à ses propos bien à ses dires. Il y a quelqu'un qui blavait et dit globe confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Alors le verset 20 nous dit biko epenya glolilo dise ekeba adedinami. Epeya meare. En cette année. O roma wudi senyengbo. Bien sûr tu crois en Dieu. Eye nyawo cha okpo be yebe ma wudi khosia elikeya. Est vrai tu as vu que ta foi t'a affermi. Wa gbedodo la agbedodo la vuna. Mais certaines portes doivent t'ouvrir pour toi. O do la réussir. Tu dois réussir. Emme do la nyona. Et tu dois prospérer. Ya ira do la vana. Tu dois il y a certaines bénédictions qui doivent te parvenir. Bo do la roma wa me dise. Alors tu dois croire aux hommes de Dieu. Do tunase. Écoute très bien. Hey, non, mon pasteur dit ça. Si tu ne crois pas à ton pasteur, ne te confie pas à lui. Mais cherche un homme de Dieu. Mais cherche, dit, bon, pas mené. Amenez-moi, je vais vous dire que vous avez dit 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 que quelqu'un ne dise pas que tout le monde doit être en train de dire ceci pour son propre intérêt. Non, mais si tu crois aux hommes de Dieu ou à un homme de Dieu, ta vie va changer. C'est là où il y a le problème. Elle avait un bébé prophète sous Boa. Car les prophètes d'aujourd'hui. Quand Flaminia l'a quatre sous Boa. Il y a beaucoup de faux prophètes. Fique y a son aléa. C'est là où il y a le problème. Il y a pasteur sous Boa et Béa. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Il y a un tomitro l'envie et Hamevio. Nous-mêmes nous envions les fidèles. Elle Hamevio m'a dit que nous avons un projet avec les six pasteurs. 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 Nous avons un projet avec les six pasteurs.
to disse on batte le roman prophète on disse ne wa tem to ya ira ke balen ko gbo e me wo ba me grebe nu le timoji alwa me grodo ke le mien évoluer Christo ha me mia tout volo mia ko ya ira do me le zon cuire comme me le réussir ke betri tel que les hommes de Dieu ou bien certains prophètes aujourd'hui envient leur propre fidèles, ce qui fait que les fidèles se méfient aujourd'hui et n'arrivent plus à parler de leurs projets et à leurs passions. Et ce qui se déduit de ça, c'est que cela fait qu'ils n'arrivent plus à croire, à se confier à leurs passions et certaines bénédictions, certaines portes qui doivent s'ouvrir à eux, ils ne l'ont plus. Dis-moi où va Bédé. Alors cherche un homme de Dieu. Voici la prière que je vais faire pour vous maintenant. Ce n'est pas une recherche charnelle d'un homme de Dieu. Beau pasteur qui me donne un ma soeur sort pour me tenir de Kenya et du Bénin et ma ou ya au PM et au Latimota. Et ne le considère pas un homme de Dieu de façon charnelle et tu vas lui confier ton projet. Tu seras déçu. Tu seras déçu. Et que nous sommes prophètes, nous sommes là, 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 nous sommes là. Du moment où on a été tout n'a oni on a été fier mon yoto elle a beau son couple nous camé le bonon et gars que bébé on va dire on a le projet que le bonon au peu mon temps allons nous que le bonon ça domaine les coups le pont noir ou quoi au dafou si tu as au maoula que le prophète au chantier maoula que le pasteur on tire le pays à main à l'ébémi la cour à midi à l'ébémi à bécham et viola pour que si l'on nous en a moula pour nous en mima un vie à mérepo et que ni mieux t'aimé à toi pasteur ou la vanne à mes prophètes ou et la vanne à mes couilles là Dieu va nous aider cette année nous allons plus et avoir trop de considération au montant ou bien à l'importance du projet de nos fidèles, mais plutôt nous allons avoir cette pensée spirituelle, prier pour eux, pour qu'ils réussissent, et nous aussi, nous les pasteurs, nous les hommes de Dieu, nous aurons notre part. J'aimerais te supplier. Si tu ne crois en aucun homme de Dieu, ne te confie pas à lui. Quand tu as dit que tu es amen. Crois en quelqu'un. Quand des pasteurs disent payer mais. Crois en ton pasteur cette année. Quand des disent payer mais. Crois en lui. Vous beaucoup on est maintenant comme les blancs. Ouvre-toi à lui. Je sais ce que je dis. Tu verras ce qui va se passer. Ma ou nana nous nous les bibles nana nous quand bobek blobena micro yego a dit c'est yo ali kemi et micro ebe nyagbon yo dit c'est ne me bagnon ami me fi kemi dogbe da baselo yasu ne ko li kemi baselo yasu fi fi ami côté ve gonta me ne nyon ami mi ou la yira mi o tan ko seto gbogbo me to la yira mi le togo na mo wa po kaka ou la yira mi le gbeji na mo wa po kaka be ma ou de le mi asinya ola. Amen. Dieu sait pertinemment la raison pour laquelle il lui dit de croire en lui et nous serons affermis. Et secondo, de croire, de nous confier à ses prophètes pour que nous aussi nous prospérons. Voilà comment on va mettre les gens ici. Mais si tu crois en cet homme de Dieu, tu dois aussi accepter de l'aider. Mais au cadeau. Quelqu'un à qui on se confie. Voilà, tu as la confiance à la personne. Et tu t'es confié à lui complètement. Que sinon nous on si tu lui donnes tes richesses, tu ne vas pas regretter. Et tu as les VVD. Et ça aussi c'est important. Et tu veux qu'un homme de Dieu t'aide et prie pour toi. Pour que l'année réussisse. Pour que ces paroles de prophétie s'accomplissent pour toi. Le peu de choses que tu as, le niveau auquel tu es en ce moment, tu peux utiliser ce que tu as comme gain pour aider ton pasteur. Il y a beaucoup de gens qui vont au centre de prière aujourd'hui, aux rencontres de prière, même à l'église, mais ils ne se confient pas ou bien ne croient pas en leur pasteur. Et quand vieux, tu m'as dit, tu es bien, comme tu es bien, 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 tu es b
ni la non ni no pe la be pastor ta gbe ma tro pe ba ma wole di la yira we pe di ma u ba me de ma di de aso wo pastor an no fa be ya gbe ba do me nyane an no fa be ba do gbe da pe an no fa be ba pe de yin ti e me la nyona mi to amen. Si ton pasteur veut toujours rester dans cet état d'âme et reste toujours à t'envier, alors il faut chercher un vrai homme de Dieu et tu te confies à lui. Ne refuse pas d'aller à l'église. Mais la Bible dit qu'il faut se confier à ses messagers. Cherche un de ces messagers, confie-toi à lui. Ton pasteur verra et va secouer la tête. Ne cherche pas de malheur jamais à ton pasteur. Ne parle pas de façon mauvaise de lui. Et alors tu vas confondre les choses. Que Dieu triomphe. J'aimerais que Dieu inspire cette année. À ce début de l'année qu'il rencontre un vrai homme de Dieu et se confie réellement à lui. Pastor, allô prophète. Non pas un faux prophète ou bien. Allô que le word donné pour dopo ah. Qui travaille ou bien qui œuvre pour son ventre. Va m'aider que son menu ou le verre na. Qui a à cœur ta réussite. Qui a à cœur ta réussite et tombe dans le verre na. Voilà un homme de Dieu qui a à cœur ta réussite, cher ami. Bon bah m'aider que tombe dans le verre na. Nous jedina ou et dans le verre na. Ta prospérité ou bien ta réussite. Et là nous que nyang blona nous que do la noma ou ba me adudu que kesi adibe et mené nyone ha me via nyone ha me via yare. Mba ya dwa ka ngola na ozola. L'ardent désir que doit avoir un homme de Dieu est qu'il a à cœur la réussite de son fidèle. Alors si le fidèle réussit, il serait facile à lui de t'aider. Negbe awon kuku be gbogbo le ha me video mi mi gba gbon wa to nku shishi be gbogbo mi o yin le gbon yen be nyare pe awo awo yin le gbon yato. Le fidèle ne soit animé par l'esprit d'avarisme. Allô mais avarisme le allô être avare cupide. Longa kaka bo ma de to gbero mi bo ma tu pas joigne le premier miato ni cha mi le o le konu egbe mi mi ma am sugbon mo na ma ba mo Joseph sigbe na ma wu ba mo quoi. Aujourd'hui beaucoup de gens ne croient plus aux hommes de Dieu comme quelqu'un qui est commissionné par Dieu. Côté le onu to gbe wa we le di da sugbon. Ceux qui arrivent à faire de telles choses sont eux qui triomphent beaucoup qui témoignent beaucoup. Am gedo wa le pop pasteur egbe ma wu do lo pwevo. Homme le pas aussi bien mal ou t'es fait non là. Beaucoup de gens considèrent les pasteurs aujourd'hui comme des gens qui travaillent pour Dieu et non des représentants de Dieu. Nous que les joyeux et blâmer d'autres. Et c'est ce qui se passe qui fait que des gens sont confus. Voilà. Ayez mal ou bien mais prophète que le bleu fier mal ou bien mais que Dieu a reçu. Normalement, elle est là non capable à regarder son mal ou bon à son âme à faire parce que âme à yangdun won kakala sema ube gbedo directement enti bible elle dit sume bomia khoye be nyagbon lo dise nyagbon li la won enomama elle en contact me direct ko mau la hogbe so mau gbo ne ha me vinyon wiya ne ha me vinu suya eye ne wode dia emedo la nyoni amen. Le prophète de Dieu, un vrai prophète de Dieu, un vrai homme de Dieu, c'est quelqu'un, un messager, quelqu'un qui doit avoir une commission, un message directement de Dieu et va donner des instructions et au fidèle, et le fidèle va les mettre en pratique et il va prospérer. Mirulanya meko la no hogbe so ma wo bo me gonyi be de ke magic qui va le bien ma wo nya kem le khoya le pon no sou bo le me de ke magic qui va le bien kaka me la va pa le pon de no lo de ke koito be trozo akunya ben de na mo gbe be trozo ndu na me nya wa am le gbon me nya wa am le gbon ao avoir des instructions ou bien des ordonnances de la voix de Dieu, ce n'est pas comme des gens le font aujourd'hui. Et on va te dire, je vois ceci pour toi. Et ça devient un esprit de divination. Non. Non. Mais il y a aussi de vrais hommes de Dieu. Nous parlons de vrais hommes de Dieu. Ils existent. Et reçoit bien sûr la voix. Regardez mon homme, il y a tout ça au cantat. Il y a un problème. Il y a et parfois, ils ne font même pas du spectacle du cantat pour nous voyons les choses. Mais ce n'est pas toute chose que nous disons de façon automatique. Non, elle va ni magique, mais non, on y a assez de peu gomme. Ça va devenir de la magie pour toi, tu ne vas rien comprendre. Dieu va vous donner la vie. Dieu va nous donner la vie. Dieu va nous donner la vie. Oh, du coup, Israël vieux et Jérusalem, Claude Davion. Oh, ma ou dit, c'est allô. Oh, l'ic, on tient dans l'ic, on va faire vivre à l'école, on va y encore. Vivre à l'école, on va djedina, on va tchaka. Vous savez, téléphone, moi, quelqu'un, il va le blonde, on va dire, c'est. Oh, l'ic, mi. Voix de vivre à l'école. Après avoir jeûné,
Josaphat a su qu'après avoir jeûné, le peuple d'Israël s'est affermi. Alors, et maintenant, ils ne savent pas ce qui va se passer par la suite. C'est pourquoi il leur a dit de se confier. Mais Allah, ce n'est plus l'Éternel qui a parlé directement. Qui a parlé. Que les chants restent devant. Mito hadidi. Commencez par chanter. Biro anyonto. L'Éternel crée. Iba dominion. Et sa miséricorde dira. Bible dit ton ambe. Nadejo. Quelque chose s'est passé. La nation dans laquelle ils se sont réfugiés pour pouvoir détruire ils ont tué tous les habitants de ce peuple. Ce n'est pas encore fini. Bible ma Bible m'a dit que après avoir fait cela, il y a eu la confusion totale par les Israéliens. Oui, s'ils peuvent voir de telles choses, s'ils ne croient pas à l'homme de Dieu. S'ils ne se confient pas à l'homme de Dieu, ou est-ce qu'ils auront cette voix qui leur dira de chanter seulement et ils auront ce miracle. Alors toi, il faut seulement croire à ce que l'homme de Dieu te dira cette année et tu vas prospérer. Les bénémoins ou pas, mais tiens, prends soin de l'homme de Dieu, tu verras. Le message qu'il n'aura jamais à avoir pour toi, il l'aura pour toi. Tel que vous vous moquez des hommes de Dieu, il faut diminuer cela. Homme de Dieu, beaucoup de gens, vu le comportement de certains hommes de Dieu, c'est ce qui fait qu'ils se moquent parfois d'eux, ils parlent parfois d'eux. Mais il ne faut pas te détruire avec ça. Ah ou ah ou non. Et nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont entretués. Mais Israël vit aussi en nouvelle. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui a amené des armées. Et nous, on a cette chose va se passer dans ta vie cette année. On veut le plier, wado kuita olo. Ils ne sont pas partis pour se défendre. On veut le wanya olo. Ils n'ont pas parti pour devant ces gens là. Mais ils ont seulement chanté. Ils ont seulement chanté. Futo wano kajoro wajio. Qu'est-ce qui s'est passé parmi les adversaires? Ils se sont entretués. Il y a eu la confusion totale parmi eux. Tanti no tena kono kajoro paya bera. Ma sœur, attends ce qui va se passer. Ne ma wunya tutu ben yo laisse le paya mele wana yame. Si c'est le premier message que tu écoutes dans cette émission. Ne ma wule dange yana wa fufuny. Et je te donne cette commission. No tena kora. Attends seulement, tu verras. Tes ennemis vont se combattre. Et ce qui va se passer à la fin, c'est qu'ils vont s'entretuer. Et ça va se passer au nom de Jésus. Car Dieu a planifié quelque chose devant toi. Au moment où ils ont cru à l'homme de Dieu, avec la main vide, beaucoup de cette multitude de personnes sont tuées. Si quelqu'un me croit à moi, cette année, la Bible a dit qu'il va te faire riche sans beaucoup d'efforts. Ça va se passer pour toi. Une porte, des portes, certaines portes vont se faire. Certaines personnes, tu vas les voir dans leur état là, ce début d'année comme ça. Je te donne 3 mois après, tu les verras. Mais nous les certaines personnes, en écoutant ce message aujourd'hui, ils disent, ou bien ils ont pris la décision de se confier à certains hommes de Dieu. Leur entreprise, leur projet vont avancer. Au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis là-bas. Ils ont vu les morts, les cadavres. Ce n'est pas les cadavres seulement. Il y a aussi des richesses. Les butées sont nombreuses. La Bible dit que ces richesses sont nombreuses. Durant 3 bons jours, ils ont ramassé les butées. Et si tu vois les butées, 24 heures ne leur a été pas suffisante pour ramasser les richesses. 3 bons jours. 72 heures. 3 veut dire quoi? C'est au complet. Cette année, tu verras, ou bien tu vas raconter tes richesses. Même si c'est resté dans une obscurité totale, la lumière va luire sur ces richesses. Et tu vas retrouver tes richesses. La joie te parviendra. Ce qui va te rendre joyeux durant l'année. Tu vas plus t'efforcer. Si tu peux seulement mettre ces paroles en pratique.
tu les verras. Et wa swasio. Et tu les posséderas. Ne va menao. Ainsi soit-il pour toi. Le Jésus Christ au nom de Jésus. Odaduji. Tu vas triompher. Ne peut qu'elle va faire mais. Toute chose qui va venir cette. Et nous tu vas t'en coller. La première chose que tu vas faire. Trop de maunti. Confie-toi, tourne-toi à Dieu. Trop de maunti. Tourne-toi à Dieu. Et là non nous sait. Il va te donner la. Fika mais c'est malade bonjour les gens. Là où les gens seront faibles, toi tu auras la force. Et vegon. Secondo. Crois bien me dit c'est. Crois à ces hommes. Comment on va me dit c'est. Crois à l'homme de Dieu. Et nous collage au haut. Et voici les choses qui vont se passer. Mauya tchaka tchaka photo ou peut-être. Dieu va mettre la confusion totale parmi tes adversaires. On a dit guerre pour le faire. Beaucoup d'entre eux tu vas les chercher en vain. Voit tout vous venez moi. Mais à part ceci. Djoba gboja vunao. La porte de la joie va s'ouvrir. Djifa fa gboja vunao. La porte de la paix va s'ouvrir pour vous. Et lorsque leurs ennemis sont partis, alors ils auront la paix du cœur. Et tu as un enfant, tu auras la paix mais du cœur. Si tu t'es marié, tu auras la paix du cœur. L'obstacle, c'est ôté, tu auras la paix du cœur. Tu as trouvé le boulot, tu auras la paix du cœur. Tu auras la paix du cœur. Tu vas prier en langue, tu auras la paix du cœur. Elle va maintenant. Ça va se passer. Elle va maintenant. Ça va se passer. Le Yesu point com. Au nom de Jésus. Mando gbadare tozare. Je vais prier simplement pour grand. Et puis ami gbadwa ya gbogbodo la. On t'en dit laisse le quoi mais gbogbodo long gbadwa ya gbogbodo. Beaucoup de gens ne vont pas trop souffrir. Ya gbogbodo. Nous allons plus beaucoup souffrir. Elle va maintenant ami. Ça va nous arriver. Le Yesu Christ au nom de Jésus. Elle va maintenant là. Ça va vous arriver. Le Yesu Christ au nom de Jésus. Elle va maintenant Togo. Ça va arriver pour le Togo. Ava maintenant Togo ville gbedi. Ça va arriver à la diaspora togolaise. Le Yesu Christ au nom de Jésus. Le Yesu Christ au nom de Jésus. Le Yesu Christ au nom de Jésus. Rona me tomi da kwena. Amede le gbojo fifia. Quelqu'un s'est affaibli en ce moment. Amede le chaka fifia. Quelqu'un a la confusion. Amede le vent ebe somme fifia. Quelqu'un a peur de son avenir. Amede le gbe e de kpia jano kakala gba yina ye o. Quelqu'un se pose la question sur l'année va devenir. Mais bonya di de Dieu fifi chen. Ma wo mu hian de kpeto gbo. Dieu ne cherche rien de toi. Kakale di akobele bia so gbo. Demande seulement que tu crois en lui. O la dunu yo pata di le fia me. Tu vas triompher de toutes ces choses dans cette année. Agbo ma bola. Les portes qui ne s'ouvrent jamais vont s'ouvrir pour toi. Ne va maintenant. Ainsi soit-il pour toi. Ne va maintenant. Ainsi soit-il pour toi. Ne va maintenant. Que ça t'arrive. Le Jésus Christ. Au nom de Jésus. Le Jésus Christ. Dans le nom de Jésus. Le Jésus Christ. Dans le nom de Jésus. Mais donne alors. Il ne sommeille jamais. Ah, mais donne encore. Il ne sommeille jamais. Mais donne alors là. Il ne sommeille jamais. Et la paix. Il est toujours vivant. Et la paix. Il est vivant. Ne Togo Viokatan. Et à tous les Togolais. Mao ne du jina mile go katame. Que Dieu triomphe pour nous à tout domaine. Mao ne nami la messin. Que Dieu nous donne la santé. Wanami ke sino nous vire. Donne un peu de richesse. Et que yana messia me wakboye. Tout ce dont nous avons besoin, le peu que dont nous avons besoin, qu'il nous le donne. Et mon globe et ton be vio mao vio togo vide sia de le gbedi le gapo pour yamo. Et je n'oublie pas les enfants de mon père, toute la diaspora. Qui nous écoute en ce moment. Vous souhaitez seulement que la présence de Dieu soit avec vous. Vous êtes sur la terre étrangère en ce moment. Ne croyez pas que Dieu est étranger à vous ou qu'il n'est pas avec vous. Oui, il est toujours avec vous. Et nos pensées se dirigent vers vous. Et nous vous souhaitons les meilleurs vœux de l'année nouvelle. Et que l'Éternel vous visite aussi. Mikudentiko. Accrochez-vous seulement à lui. Milakpon la médecin. Vous aurez la santé. Milakpon que sinon vous aurez les richesses. Milahoumao. Vous allez avoir les papiers. Yewa milanonti fafame. Vous serez en paix. Si réellement c'est Dieu qui m'a envoyé, je vous souhaite la paix de Dieu à l'étranger. Et puis, que cette année soit une de joie pour vous. Et puis, que cette année soit une année de paix pour vous. Soit une année de joie pour vous. Le Yesu Christ au nom de Jésus. À tous les prisonniers. À tous les orphelins. Même aux veuves. Que Dieu se souviennent de vous. Et puis avec Jogbo Nyuele Mia Dometo les meilleurs vœux de cette année nouvelle à vous tous. Soldats en les mains. Même aux soldats. Mao Neirami. Que Dieu vous bénisse. Et puis année Jéjine Mia Katan. Que l'année réussisse pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Yesume. Toleka. Tole. Kabiwo. Minyele Yesume.